Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va ouvrir la Glossy Box du mois de janvier. Alors elle arrive dans son packaging habituel, dans sa petite boîte rose ce mois-ci. Alors je vous avais promis la vidéo samedi dernier, mais pour tout vous dire, j'ai eu un petit souci. C'est que j'ai dû emmener mon chat en urgence samedi matin chez le vétérinaire parce que ma minette vomissait depuis vendredi après-midi, quasiment non-stop. Et je me suis super inquiétée. J'étais dans tous mes états, j'avais peur de la perdre. J'ai fait hyper attention qu'elle se déshydrate pas. Ça n'a pas été le cas. Elle a normalement pas grand-chose de grave. Je la surveille, j'ai pas l'impression qu'elle mange beaucoup, mais là, elle vomit plus depuis samedi. Elle a eu une petite piqûre pour calmer les vomissements, et depuis elle ne vomit plus, mais j'ai pas l'impression qu'elle mange beaucoup. Donc je la surveille énormément. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous faire la vidéo quand même. Elle est pas très très loin, donc j'ai toujours un œil sur elle. Donc revenons-en à la box. Donc comme je vous le dis tous les mois, c'est une de mes box préférées. Voilà, j'aime vraiment beaucoup parce qu'on découvre des produits qu'on ne trouve pas en France vu que c'est une box anglaise. J'ai du mal à parler. Vous la trouvez au prix de 15,50 € à l'unité, sans engagement. Et si vous voulez prendre un engagement d'un an, vous la payerez 13 €. Donc je trouve qu'elle est hyper rentable. Moi j'ai l'engagement d'un an. Ça va faire plus de 2 ans que je suis abonnée à cette box et je suis très rarement déçue. C'est arrivé une ou deux fois que le contenu ne me plaise pas, mais en règle générale, voilà, j'aime toujours au moins un des produits et si ce n'est plus, et on a vraiment des fois des produits qui coûtent hyper cher comme les produits de la marque Avant. J'en ai testé beaucoup et c'est toujours des produits aux alentours des 100 €. Donc c'est une box qui vaut vraiment le coup. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'ai pas du tout pris le temps de l'ouvrir parce que j'étais trop préoccupée. Le thème ce mois-ci, c'est Power of Beauty. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions de disponibles, puisque j'ai vu passer l'info que Clochette avait sorti sa vidéo. J'ai pas regardé quelle version j'ai reçue, je vous l'écrirai juste ici. Je suis désolée, je suis un peu perturbée aujourd'hui. Et du coup, on a le petit livret avec les prix, donc ça j'aime bien. On va découvrir le contenu tout de suite. Alors de ce que je peux voir comme ça en premier coup d'œil, c'est qu'il y a beaucoup de formats miniatures, ce qui est pas le cas d'habitude. D'habitude, on a plutôt des beaux formats. Là, je dois vous dire qu'on a beaucoup de formats voyage. Il y en a 3 sur 6. Bon, écoutez, c'est une bonne moyenne quand même. Donc le premier produit, c'est de la marque eCooking. Donc le mois dernier, ou c'était dans peut-être l'édition limitée que j'ai pris de Noël, on avait déjà eu cette marque, on a eu un sérum il me semble. Là c'est un petit baume multi-usage, donc c'est vraiment un tout petit format. Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 15 millilitres. Donc écoutez, j'aime bien les baumes à tout faire. C'est vrai que j'en avais reçu un il y a quelques temps et j'avais découvert qu'on pouvait l'utiliser en démaquillant. Et c'est comme ça que je l'avais passé parce que au final j'ai tous les produits qu'il me faut pour les lèvres, pour le visage, pour le corps. Donc voilà, c'est bien les baumes multi-usages, mais voilà, je préfère avoir un produit ciblé en règle générale. J'en ai déjà reçu un d'ailleurs, c'était dans la Beauty Full Box que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc je sais pas, je vais regarder. Il faut que je jette un oeil, savoir si on peut se démaquiller avec celui-ci et avec l'autre. Et je ferai mon choix par rapport à ça parce que je vais pas en garder deux. Mais en tout cas, c'est pourquoi pas, pour tester cette marque, je ne la connais pas vu que le sérum je ne l'ai pas gardé. Et c'est au prix de 7,25 € et on peut le retrouver disponible sur le e-shop de Look Fantastic. Donc c'est bien, si le produit nous plaît, on peut l'acheter en plus grand format. Le deuxième produit, c'est de la marque Daily Concept. Ça, je connais, j'ai déjà eu plusieurs articles. J'avais eu un savon éponge, j'ai eu un bandeau, enfin j'ai eu plusieurs articles, j'aime plutôt bien. Donc là, on a deux petits disques démaquillants qui sont hyper doux. Alors là, ils sont super fins, mais ils sont très 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 doux. Donc il n'y a pas de précision quant à la durée de vie des cotons, mais bon, après ça, on les change quand ils ont changé de forme, qu'ils sont sales. Donc je pense que ça tient quand même un long moment. Et c'est des lingettes qui sont véganes, donc c'est plutôt cool. Donc ça, je suis très contente, c'est un beau produit. Et du coup, j'ai plein plein de peluches. C'est vendu au prix de 7,50 € pour les deux pièces. Donc ça, je suis très très contente.
Ensuite, troisième produit, c'est de la marque Verso. Donc, c'est un sérum hydratant. Donc, dans un tout petit flacon gouache comme ceci, on a 10 millilitres à l'intérieur. Et du coup, bah, c'est un sérum hydratant pour le visage. Ça a un coût de 30 euros quand même. C'est pas donné cette marque. Je connais pas, mais voilà. Je ferai un petit point parce que c'est pareil, des sérums, on en reçoit énormément dans les box. Donc, je ferai un petit point de ce que j'ai. Si j'ai pas de sérum hydratant, je le testerai volontiers parce que c'est vrai que on a toujours besoin d'hydratation pour la peau. Autre produit, celui-ci c'est un full size, c'est de la marque Dr Botanical, c'est un savon apparemment au concombre et à l'avocat, donc qui se présente comme ceci, et pareil c'est un gros pain comme ça, voilà. Donc je suis pas spécialement fan des savons, mais je les utilise pour laver mes pinceaux, donc pourquoi pas, je regarderai, je le testerai quand même sur le visage, mais en règle générale les savons ça me dessèche trop la peau, j'ai la peau qui tiraille énormément après le nettoyage avec le savon, je ne sais pas pourquoi, mais je le testerai, pourquoi pas, et il est au prix de 19 euros ce savon quand même. Avant-dernier produit, c'est un masque en tissu pour le visage de la marque Herbal Essential, donc qui se présente comme ceci. Donc vous savez que j'adore les masques visage, donc ça sera utilisé volontiers. Et c'est un masque hydratant du coup avec de l'extrait de camomille. Donc 99% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Donc ça c'est plutôt cool. Je le testerai, je vous en parlerai dans les produits terminés. Ce masque a une valeur de 5,50 €. Donc très contente de ce produit. Et apparemment, on a un petit extra. C'est de la marque Topicrème. C'est un gel hydroalcoolique. Donc là, pour la période, c'est top de nous mettre ce genre de petits flacons. Donc là, visiblement, c'est un format vente de 75 ml. Donc très contente. Après, du coup, j'avais prévu le coût et j'ai un très gros bidon d'hydroalcoolique que je transvase directement dans mes petits flacons que j'ai conservés pour toujours en avoir un dans le sac, dans la voiture. Et c'est vrai que j'ai un gros bidon et j'aime pas utiliser plusieurs produits en même temps. Donc je sais pas si je l'utiliserai tout de suite, si je vais le donner à quelqu'un, si je vais le mettre en vente parce que ça sert toujours. Donc mais c'est une très bonne idée de nous mettre ça dans cette box étant donné la situation actuelle. Donc plutôt cool et ce petit produit a une valeur de 2 euros. Donc pourquoi pas. Donc ce mois-ci, on avait reçu un petit mail de la part de la Glossy Box pour nous prévenir qu'il y avait des tickets d'or qui étaient cachés dans les box. Il me semble qu'il y en a 8. Je n'ai pas le ticket d'or, donc je n'ai pas gagné l'épilateur laser que j'aurais aimé tester de chez Braun. Mais visiblement, on a un petit code promo. Donc si ça vous intéresse, vous avez 20% de remise sur les épilateurs. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit code promo. Donc il est valable sur le site de Darty. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est valable jusqu'au 31 janvier. Et le code, c'est Brown20. Je vous l'écrirai juste là. Comme ça, vous l'avez si ça vous intéresse. Et on a un petit teaser pour le mois prochain. Donc février s'annonce haut en couleur, un thème qui va mettre du baume au cœur, qui va vous donner le sourire et pourquoi pas vous faire danser. La Glossy Team se réjouit d'avance de vous retrouver en février. Bah écoutez, ça me donne envie. Haut en couleur, j'ai hâte de voir ça. Peut-être un petit peu de maquillage, une petite palette de maquillage, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire à quoi ça vous fait penser dans les commentaires, ce petit teaser. Et puis voilà, c'est tout pour le contenu de la box. Je dois vous avouer que ce mois-ci, je ne suis pas hyper emballée par le contenu. Il n'y a rien de waouh. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu une box qui me plaisait pas à 100%. Voilà, ça arrive de temps en temps, hein. On peut pas être satisfaite tout le temps. Et puis maintenant, j'ai tellement de box que je pense que je deviens de plus en plus exigeante. Mais elle est pas mal, mais j'aurais vu autre chose. Voilà, j'aurais préféré peut-être un autre produit, je sais pas. Je suis un petit peu mitigée sur cette box. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite, probablement demain, pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si je vais enchaîner les box parce que là, j'ai reçu la Blissime et j'ai reçu la Gloria. Donc, je ne sais pas si je vais vous mettre les vidéos à la suite parce que je ne veux pas trop chargé avec les vidéos de box, étant donné que j'ai d'autres vidéos à vous faire aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez voir aussi en commentaire, je ferai en sorte de respecter vos choix. Je vous fais de très très gros bisous, et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!